I'd like to bring a special greeting today to all of those who are going to be part of this wonderful conference coming up in Paris in 2014. I'm excited about being part of the team that will be coming to minister to you, and I believe that God will stir your heart to love Jesus Christ more than you ever have before. That's what I'm believing for. The Lord's going to bless, and He's going to strengthen, He's going to set people free. I believe He's going to give many a new vision for ministry into the future, an understanding of some scriptural things that perhaps have not been as understood as they should be in our generation. I so look forward to being with you. I believe it's going to be a time of great rejoicing together. God bless you. I'll see you then. Ce soir, vous allez penser, comme les chrétiens de Corinthe au sujet de Paul, que je suis peut-être un homme astucieux qui vous ai pris par ruse, car je vous ai annoncé un sujet avec un titre qui attire facilement aujourd'hui rentrer dans votre destinée. Et puis, je ne vais pas vous parler de ça ce soir. Et vous dites, ah, d'autant plus que ce soir, je vais vous faire une étude biblique. Ah ! Et en plus, l'étude biblique la plus anecdotique que vous puissiez imaginer, parce que le mot le plus long que nous allons étudier ce soir a 4 lettres, et la moyenne des mots que nous allons voir est de 2 à 3 lettres. Donc vous allez me dire, eh bien, c'est pas avec ça qu'on va aller très loin. Et pourtant, je voudrais vous dire que s'il est aujourd'hui de mode de prêcher sur votre destinée et sur tout ça, je voudrais vous dire que si vous retenez la leçon de grammaire biblique que je vous donne ce soir, vous aurez là plus que toutes les clés qu'on peut vous donner en 50 messages sur votre destinée. Alors ce soir, nous allons donc faire une séance de grammaire. J'aggrave mon cas. J'ai pris en complément de ma Bible, qui est là, rassurez-vous, cet ouvrage. Qui vous rappelle à tous de bons souvenirs, n'est-ce pas? Ah, ce merveilleux petit livre que nous avons étudié pour apprendre toutes les règles de la grammaire, de la conjugaison, de l'orthographe. Le bled. À moins que vous ayez préféré le Becherel, je ne fais pas de publicité pour l'un ou pour l'autre. Et vous savez que dans ces ouvrages, nous nous sommes cassés la tête à apprendre bien des mots invariables, bien des choses un peu compliquées, notamment ce qu'on appelle les conjonctions de coordination. Mais où est donc ornicar? Nous le cherchons toujours de génération en génération. On nous a aussi parlé de prépositions, et les plus communes se retrouvent dans cette belle phrase. Adam part pour Anvers avec 200 sous. Adam part pour Anvers avec 200 et sous. Adam part pour Anvers avec 200 sous. C'est ce qu'on appelle des propositions. Une préposition. Une préposition sert à marquer le lien de dépendance entre le mot qu'elle introduit et le terme auquel se rattache ce mot. Elle introduit un lien de dépendance entre deux mots. Eh bien, nous allons parler ce soir des liens de dépendance entre nous et Dieu.
et nous allons parler des prépositions qui nous rattachent à notre Dieu. Et je peux vous dire que si vous savez utiliser ces prépositions dans votre vie spirituelle, comme en grammaire française, eh bien vous serez exactement où vous en êtes. Et vous pourrez ainsi avancer plein de foi et de confiance dans ce que le Seigneur a préparé pour vous. Alors ce soir, nous allons parler principalement de 5 de ces prépositions. Elles sont toutes bibliques. Ce sont des petits mots insignifiants, mais qui nous en disent tant sur notre relation avec Dieu. Nous allons parler de « en », de « pour », « avec », « sur » et « par ». Et il y en a une qui vient au-dessus de toutes, c'est « deux ». Et j'en parlerai à la fin. La première, « en ». La première manière dont nous devons qualifier notre relation de dépendance avec Dieu, c'est par cette préposition « en » qui nous parle de notre position en Jésus-Christ. Rien ne peut être conçu, entrepris dans la vie chrétienne sans parler de notre position en Jésus. Autrefois, nous étions sans Dieu, nous étions loin de Dieu, nous étions hors HORS de Dieu, mais Dieu est celui qui nous a amenés en lui. En lui. Et c'est ce que Paul écrit dans ce beau verset que nous connaissons bien, 2 Corinthiens 5, 17, c'est une étude biblique, il va y avoir des versets, vous pouvez les noter pour retrouver. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Si quelqu'un est en Christ, c'est la condition fondamentale, être en Christ, c'est-à-dire avoir vraiment cette relation de foi, de communion avec le Seigneur. Non pas exercer une religion, non pas accéder à un dogme, mais accéder à une intimité, une proximité avec le Seigneur. Le plus beau passage qui nous parle de cette position en Jésus-Christ, nous le trouvons dans le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, où l'apôtre Paul va nous parler de 4 aspects de cette position. Au verset 4, il nous dit « En lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde ». Le premier aspect de cette intimité, de cette position en Jésus, c'est que Dieu nous a choisis, Dieu nous a connus. Je suis choisi de Dieu. Tu es élu de Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà été choisi dans ce monde, mais je peux te dire que tu as été choisi de Dieu. Comment ça ? À cause de tes mérites ? Non. À cause de ton pédigré ? Non. À cause de Jésus-Christ. Dieu t'a choisi en Jésus. Je ne vais pas développer tous ces points, ce n'est pas mon but ce soir de vous parler de notre position, simplement je l'évoque. Verset 7, « En Jésus, en Christ, nous avons la rédemption par son sang. » Ça c'est la deuxième chose. Le salut ne s'obtient qu'en Jésus. Il n'y a point de salut en dehors de Jésus. C'est en lui que nous sommes sauvés, c'est en lui que nous sommes rachetés de nos péchés. Non pas dans la religion, non pas dans la tradition, mais en Jésus. Nous nous installons en Jésus, nous demeurons en Jésus. C'est là que nous sommes couverts par le sang de Jésus. En dehors de Jésus, je suis livré à mon péché. En dehors de Jésus, je suis exposé à la condamnation de la loi. Troisième chose, verset 11. En Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers. Héritiers, non pas de choses terrestres, qui viendrait à se flétrir ou à se rouiller, mais du royaume de Dieu céleste et éternel. En Jésus, j'accède à ce que Dieu a préparé pour moi dans les cieux.
en Jésus seul. Et puis encore, verset 13, en Jésus, oui, en lui, vous aussi, en Jésus, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes en Jésus, le Saint-Esprit nous garde. Il nous garde pour que nous atteignions le but. En Jésus. Ça, c'est la base de la vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne en dehors de Jésus. La vie chrétienne ne peut être qu'en Jésus, toujours plus cachée en lui. Mais cette position nous est inaccessible. Car comme Paul l'écrit au verset 3, le lieu de cette position n'est pas sur la terre, mais c'est dans les lieux célestes. Comment accéder à cette position par nous-mêmes? Quelqu'un connaît-il un chemin que nous pouvons emprunter pour accéder au ciel? Les hommes en cherchaient. Nous n'en connaissons qu'un. Il s'appelle Jésus. L'apôtre Paul écrit aussi que Dieu nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y accéder. Mais Dieu nous a pris et il nous a fait venir en Jésus. Parce que nous avons cru dans sa parole. Ce miracle s'est accompli. On dit, mais comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Par le fait de croire, par le fait d'aimer le Seigneur, Dieu nous place en Jésus. Il nous a arrachés des ténèbres pour nous placer en lui. Nous n'avons pas de questions existentielles à nous poser par rapport à ça. C'est un fait. C'est un fait parce que nous avons cru, Dieu nous place en Jésus, dans les lieux célestes. Paul écrit aussi dans l'Épître aux Éphésiens, toujours au chapitre 2, verset 6, « Il nous a ressuscités ensemble. Autrefois, nous étions morts dans nos péchés. » Mais parce que nous avons cru, nous avons été pardonnés, nous avons été rapprochés de Dieu, nous avons été même transportés jusque dans le ciel pour nous asseoir. Vous allez me dire, mais je ne suis pas dans le ciel aujourd'hui. Mais par la foi, je suis déjà dans le ciel en Jésus. Je suis déjà ressuscité en Jésus. Et plus particulièrement, il l'écrit, je suis assis en Jésus. Il nous a fait asseoir ensemble, parce que Jésus aujourd'hui est assis à la droite du Père. Il est assis à côté de Dieu, il est sur son trône, et Dieu nous dit, c'est là que je t'ai placé, c'est une position extraordinaire. Rappelez-vous, dimanche, c'est un peu bizarre, parce que dimanche, nous disions, lève-toi. Et ce soir, je dis, assis-toi. Il y a des lieux où on s'assoit et où Jésus nous dit, lève-toi. Mais à d'autres moments, nous voulons nous lever, et Jésus nous dit, assis-toi. À Bethesda, il faut se lever. Dans ce monde, il faut se lever pour quitter ça, pour nous mettre en route, pour aller jusqu'à la maison de Dieu. Mais lorsque le Père nous transporte, la première chose qu'il faut faire, c'est nous asseoir. Nous sommes arrivés au but. Asseyons-nous, reposons-nous. Tout commence en Jésus. Si vous voulez un sens de votre destinée à votre destinée, asseyez-vous en Jésus. Tout commence là. Tout commence là. Les hommes, dans la religion des hommes, quelle que soit la religion, le but, c'est d'essayer d'atteindre le ciel, le paradis, peu importe comment ils l'appellent. Dans l'évangile, c'est l'inverse. Tout commence là-haut. La vie chrétienne commence là-haut, parce que Dieu, pour prix de notre foi, nous assoit directement dans les cieux. Ça, c'est le fruit du salut, libre de mon péché. Je suis en paix avec Dieu, réconcilié avec Dieu. Je suis sauvé, je suis un héritier. Je suis gardé par le Saint-Esprit. Et je suis en Jésus. Et en moi, l'Esprit Saint dit, Abba Père. Abba Père, j'ai confiance en toi, Seigneur. Et alors que je suis maintenant dans cette situation où je suis en paix avec Dieu, où je suis dans cette communion avec le Seigneur, je suis en Jésus, dans une situation que je travaille hein, tous les jours je maintiens, je développe cette intimité, tous les jours je prie, je loue le Seigneur parce que je ne veux pas quitter cette position, mais je l'approfondis. Et bien maintenant, à partir de là, nous pouvons passer à la deuxième préposition qui qualifie ce lien de dépendance que nous avons avec le Seigneur, c'est la préposition pour. Maintenant que nous sommes assis en Jésus, dans les lieux célestes, nous pouvons réfléchir à une motivation.
Avant de savoir ce que nous voulons faire, il faut d'abord nous asseoir. Mais maintenant que nous sommes assis, avant d'entreprendre quelque chose, de nous lancer dans notre vie, nous devons réfléchir à nos motivations. Que recherchons-nous ? Quel vouloir, quel faire Dieu met-il dans nos vies ? Il ne s'agit pas de partir comme un fou, il s'agit de s'asseoir et donc de réfléchir avec le Seigneur à ce que Dieu a préparé pour nous. Quelles sont nos motivations ? L'apôtre Paul parle, ou Pierre parle de deux types de motivations qu'on peut trouver dans le monde. Dans Philippiens 3:19, parlant des gens de ce monde, il dit « Leur fin sera leur perdition, ils ont pour Dieu leur ventre. » Pour Dieu leur ventre. Autrement dit, ne s'intéressent qu'à leur petit centre, qu'à leur petit moi-même, qu'à leur plaisir immédiat. Nous avons dépassé cela. En Jésus, nos motivations ne peuvent pas être nous-mêmes. Quelles sont les motivations ? Pourquoi voulons-nous vivre et nous engager ? Eh bien, David le dit tout d'abord, psaume 45, verset 2, « Mon œuvre est pour le roi. Je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour Jésus-Christ. Je vis pour le roi. Et ma motivation première maintenant, c'est le royaume de Dieu. Ma motivation première, c'est de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ma motivation. » La deuxième, Paul le dit dans 1 Corinthiens 14, 12 au sujet des dons spirituels. 1 Corinthiens 14, 12. « De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. » Le deuxième moteur de notre motivation, c'est l'Église de Jésus-Christ. Son épouse, celle pour qui il a donné sa vie. Premièrement, le roi. Deuxièmement, l'épouse du roi. Et celui qui est assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes est motivé premièrement par ces deux choses. Ça doit être l'essentiel de notre vie. Bien sûr, nous sommes conscients de nos responsabilités terrestres. Nous avons des engagements familiaux, des engagements professionnels. Mais premièrement, nous vivons pour le roi. Nous voulons servir le roi et son Église. Et troisièmement, Paul l'écrit dans Philippiens 3, 14, « Je cours vers le but. » D'ailleurs, dans 1 Corinthiens, vers chapitre 9, il va dire « Je cours pour un but. » Il a un but. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Et là, il parle de lui. D'abord de Dieu, d'abord de l'Église, son épouse, et ensuite sa motivation personnelle. Je m'engage dans cette vie, je m'engage dans cette course pour remporter le prix de la vocation céleste. Une couronne incorruptible, comme il le dit ailleurs. Dieu en réserve quelque chose pour moi, sur cette terre, mais dans les cieux aussi. Et plus important encore que tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre, c'est ce que Dieu tient en réserve pour nous. Et nous devons être encore plus sensibles à cela, que l'Esprit ne cesse de nous avertir que le Seigneur est proche. Que le Seigneur est proche, tellement proche, que notre motivation pour les choses du royaume céleste doivent encore plus remplir notre cœur que hier. Et Paul dit ceci, avant de s'élancer dans cette course, nous devons donc nous interroger sur notre but. Courez-vous avec un but ? Vivez-vous avec un but ? Dieu crée en nous le désir d'un but, ça peut être un appel. Il place en nous quelque chose et nous voulons atteindre cette chose. Et je crois que Christ a un appel pour chacun d'entre nous. Il peut évoluer avec la vie. Mais si nous n'avons plus d'appel, si nous n'avons plus de but, que faisons-nous ? Nous ne savons pas quoi faire. Et c'est triste quand des chrétiens et quand des églises n'ont pas de but, qu'elles n'ont pas de motivation.
Parce qu'alors là, comme Paul le dit, eh bien on risque de courir comme à l'aventure. Bon, on entreprend des choses, on essaye ceci, ou on essaye cela. Ou alors il dit, frappant comme battant l'air. On va s'engager dans ça, allez ! Mais, oh, finalement, on n'a pas fait grand-chose. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié d'abord d'avoir un but. Pourquoi faisons-nous ? Vous savez, trop souvent, dans l'Église, je l'ai déjà dit, on est trop soucieux du comment. Plus soucieux encore du comment que du pourquoi. On fait les choses, il faut faire les choses comme on les a fait, comme on a l'habitude de les faire. Et l'important, c'est de faire les choses comme on les a toujours fait, même si on ne sait plus pourquoi on les fait. Et quand le comment l'emporte sur le pourquoi, ce n'est pas sa place. Le comment vient après le pourquoi. Parce que pour est la deuxième préposition qui parle de notre lien de dépendance à l'égard du Seigneur. D'abord s'asseoir et deuxième avoir une motivation pour l'œuvre de Dieu. Celui qui est en Christ développera de bonnes motivations. Il va développer de bons pour. Il sait pourquoi il veut s'engager. Dieu lui montre ces choses. Mais maintenant, on peut être assis en Jésus, on peut avoir de bonnes motivations et pour autant être encore menacé par certains dangers. Et il nous faut donc continuer un peu la leçon de grammaire. En, pour, avec. Ici, il est question de commencer à s'engager dans une action. Et avec nous parle de notre relation avec le Seigneur, notre relation avec le Seigneur. On peut être motivé, on peut être en Jésus, motivé pour l'œuvre de Dieu. Pour autant, il ne faut pas prendre le risque de vouloir faire quelque chose pour Jésus sans Jésus. C'est un danger qui nous menace à tous. Ça s'appelle l'activisme. Jésus n'a jamais rien fait sans son Père. Il a toujours été avec son Père. Ce que son Père lui montrait, ce que son Père lui disait, Jésus le faisait, Jésus le disait. Et l'apôtre Pierre dit dans Actes 10, 38, que Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, qui guérissait et qui faisait du bien à tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dieu était avec Jésus, Jésus était avec Dieu. Et même si nous avons de bonnes motivations, sommes-nous avec Jésus ? Jésus est-il avec nous ? Alors la liste des versets avec un « avec » est très longue. J'ai retenu simplement deux choses. La première, marcher avec Jésus. Vous voyez, on a fini de s'asseoir maintenant, une fois qu'on s'est bien assis et que l'appel de Dieu a grandi dans nos cœurs, que les motivations sont là, on va pouvoir y aller. Mais il faut y aller, il faut être certain qu'il vienne avec nous et que nous soyons avec lui. Il est dit dans Genèse 5 et Genèse 6, Enoch marcha avec Dieu, Noé marchait avec Dieu. Et nous aussi, nous voulons marcher avec le Seigneur. Nous ne voulons pas marcher seuls. Nous voulons marcher avec Jésus-Christ. Nous voulons être éclairés par sa parole. Nous voulons qu'il ouvre le chemin pour chacun d'entre nous. Et ayant commencé à marcher avec lui, c'est alors que nous allons pouvoir agir avec Dieu. Si Dieu ne marche pas avec nous, c'est sûr qu'il ne va pas agir avec nous. Si nous nous engageons dans un chemin, que Jésus n'est pas sur ce chemin, et que nous demandons au Seigneur, viens m'aider dans les choses que je veux entreprendre, il ne sera pas avec nous. Il faut d'abord que nous nous mettions d'accord, enfin surtout que j'accepte, parce qu'il ne s'agit pas que Dieu se mette d'accord avec nous, mais moi je m'accorde à ce que le Seigneur me montre, il est le chemin, et si je suis sur le chemin avec lui, il viendra agir avec moi. Et Paul dit, 1 Corinthiens 3:9, nous sommes ouvriers avec Dieu. 2 Corinthiens 6:1, nous travaillons avec Dieu. C'est bien d'être ouvrier pour Dieu. C'est bien de travailler pour Dieu, mais il faut le faire avec Dieu. Tout ce que nous faisons pour Dieu, nous ne devons jamais oublier de le mesurer ensuite avec cette préposition « avec ».
Dieu est-il avec moi? Dieu, suis-je encore avec Jésus? Vous connaissez ce psaume 60, on retrouve ce verset plusieurs fois dans les psaumes. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais sans Dieu, nous sommes faibles. Et un peu plus loin, le psalmiste, toujours dans psaume 60, dit « Dieu ne sortait plus avec nos armées. » Et si Dieu n'est plus avec nous, nous sommes vaincus. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Sans Dieu, nous sommes vaincus. Alors comprenons qu'une motivation sans une relation conduira à une déception. Je le redis, une motivation sans une relation conduira à une déception. C'est tellement bien que je vais vous demander quelques instants, je vais me mettre sur mon compte Twitter et je vais le mettre. Comme ça, après, j'aurai plein de likes, ça sera bien. Mais c'est vrai, on peut être motivé pour le royaume de Dieu, mais si nous n'avons pas une relation avec le Seigneur, nous arriverons à des déceptions. De déceptions d'autant plus fortes que nous étions motivés. Quand on n'est pas motivé, bon, c'est une chose. Mais quand on est motivé, et surtout qu'on a l'impression que c'est ce que Dieu met dans nos vies, mais qu'on a oublié de prendre Jésus avec nous, bah, ça peut arriver, tout à fait. Mais la volonté du Seigneur, c'est toujours de nous maintenir ou de nous restaurer dans cet avec. Rappelez-vous Apocalypse 3:20, cette église de Laodicée. Ils avaient oublié de prendre avec eux Jésus. Ils avaient bien des programmes, peut-être même bien des motivations. Et ils pensaient servir le Seigneur, mais ils avaient oublié de le prendre avec lui. Et Jésus frappe à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus ne remet pas en cause la motivation de cette église. Mais il leur dit, nous n'avons plus de relation. Faisons attention à cela. Surtout quand on est engagé dans le service de Dieu. Zélé pour l'œuvre de Dieu. N'oublions pas cette relation avec le Seigneur. Et bien sûr, le « avec », c'est ce qui nous relie au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est sur terre. C'est lui cet agent de liaison entre Dieu et nous. Nous ne pouvons rien entreprendre sans le Saint-Esprit. Et Jésus nous dit, on peut prendre ce passage si important dans Jean chapitre 14, versets 15 à 17. Jean chapitre 14, verset 15, Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. » Que le Saint-Esprit soit toujours avec nous, et que nous soyons toujours avec le Saint-Esprit. En notre position, pour notre motivation, avec notre relation, et maintenant sur le soutien. Sur quoi nous appuyons-nous ou qu'est-ce qui fait notre force? Parce que lorsque nous nous engageons, que Christ marche avec nous, nous avons besoin vraiment de nous appuyer sur lui. Le chemin n'est pas facile. Même si l'appel de Dieu est là, même si nous marchons avec Jésus-Christ, nous avons cette conviction que le Seigneur est avec nous, nous avons besoin de nous appuyer sur lui, parce qu'en bien des occasions, nous allons nous trouver exposés. C'est le témoignage de l'apôtre Paul lui-même, qui explique à la fin de la première aux Corinthiens, chapitre 16, que Dieu lui ouvre une porte dans la ville d'Éphèse, une porte grande ouverte et d'un accès efficace. Il y va, mais il sait que des tribulations l'attendent. Et ces tribulations sont terribles au point qu'il va être même menacé de mort.
Et il dira qu'il n'avait d'autre espérance que de s'appuyer sur Jésus. Et nous avons besoin de nous appuyer. Nous pouvons être dans la volonté du Seigneur, être avec le Seigneur et faire face à des épreuves. Et nous avons besoin alors du Seigneur. Et le danger, bien sûr, c'est de compter sur nos forces. Je suis ouvrier pour Dieu, je suis ouvrier avec Dieu. Mais si je m'appuie sur mes forces, je suis en danger. Je n'ai pas la force en moi-même pour accomplir l'œuvre. Sur qui vais-je m'appuyer ? D'abord, je me rappelle ce que le Seigneur dit, Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Luc 4, 18, Jésus l'a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Et il est bon de savoir que le Saint-Esprit est sur nous. Et en même temps, nous pouvons nous appuyer sur lui. Acte 14, 3. Paul parle de son témoignage et de son engagement ministère avec Barnabas. C'est lui qui écrit « Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le témoignage. » Ils s'appuyaient sur le témoignage que Dieu rendait. Dieu accomplissait des miracles. Ils s'appuyaient sur Dieu. Je dois m'appuyer sur Dieu. Si j'oublie ce lien de dépendance à l'égard de Dieu, comptant sur mes forces, je m'expose. Rappelez-vous Pierre sur les bords du lac de Galilée. Il a travaillé toute la nuit. Jésus lui dit, jette ton filet. Et Pierre dit, Maître, nous avons travaillé la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et la parole de Christ est la force sur laquelle nous nous appuyons. Le Saint-Esprit est la force qui vient sur nous, et la parole de Christ est la force sur laquelle nous nous appuyons. C'est ce quatrième aspect, cette quatrième préposition qui indique le lien de dépendance avec le Seigneur. La cinquième, part. Là, il est question du moyen, de la mise en œuvre, la force, l'action elle-même. Dans Matthieu 7, il est question d'hommes qui disent « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom ? N'avons-nous pas guéri par ton nom ?» Et que leur répond Jésus ? Je ne vous ai jamais connu ouvrier d'iniquité. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ces gens ont utilisé le nom de Jésus comme un moyen, par le nom. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas en Jésus. Ils n'ont vu dans le nom de Jésus qu'un moyen de puissance, de prestige, de force, peut-être même de gain. Et bien sûr, nous sommes toujours étonnés. Mais comment cela ? Si je ne suis pas en Jésus dans cette relation, si je suis un ouvrier d'iniquité et que j'utilise le nom de Jésus, il peut y avoir des malades guéris ? Oui. La foi. La foi dans la puissance du nom du Seigneur. C'est le cas de Balaam. Capable de prophétiser, mais pourtant corrompu dans son cœur. Et il est évident que nous ne devons pas utiliser le nom de Jésus comme un moyen pour atteindre des buts personnels. Mais d'abord, nous devons être en Jésus. Et alors nous pourrons agir par le nom du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Mais nous nous rappelons aussi ce que nous dit Zacharie au chapitre 4, verset 6, que tout ce que nous pourrons faire, accomplir, ce ne sera ni par la puissance, ni par la force, ni par aucune de nos capacités, mais par mon esprit. Par mon esprit. D'ailleurs, si vous voulez une précision sémantique, on est en Jésus et on agit par le Saint-Esprit.
On ne fait pas par Jésus, mais on est en Jésus. Et on agit par le Saint-Esprit. On n'est pas dans le Saint-Esprit, on agit par le Saint-Esprit. C'est un peu théologique, quoique ça a des implications très profondes. Alors nous avons donc vu ces cinq prépositions qui nous parlent de notre dépendance, notre lien de dépendance à l'égard du Seigneur. En, pour, avec, sur, par. C'est des petits mots, mais qui en disent tellement long sur notre vie chrétienne. Et si nous savons développer un lien de dépendance à l'égard du Seigneur dans chacun de ses aspects, en les mettant dans l'ordre, parce que les mettre dans le désordre, c'est pas bon, hein. Il n'y a qu'un ordre, celui que je vous ai donné. Eh bien, je vais vous dire, vous avez là les clés pour réussir votre destinée. Tout est là. Tout est là, dans la dépendance que nous avons à l'égard du Seigneur. Je l'ai dit, je pourrais en rajouter une. Elle est au-dessus de toutes. C'est de, D-E. Ça nous parle de la source. Dieu. Toutes nos sources sont en toi. Tout vient de Dieu. Il y a Dieu, deux, au-dessus de tout. Et puis, je résume notre position en, auquel s'associe notre motivation pour, et ça c'est Jésus. Deux, c'est Dieu. Et pour et en et pour, c'est Jésus. Ça, ça se passe dans les lieux célestes, dans notre relation avec le Seigneur. Et puis ensuite, on passe sur la terre, avec, sur, par. Et ça, c'est avec le Saint-Esprit. Notre relation avec le Saint-Esprit, notre soutien par le Saint-Esprit et la parole, et nous agissons par le Saint-Esprit. Toute parole est inspirée de Dieu et elle est utile pour convaincre, pour juger, pour corriger, etc. Et ces petits mots aussi, anecdotiques, oh, courts, c'est certain, très courts, mais qui sont tellement déterminants dans la manière dont nous vivons notre vie chrétienne. Les gens sont prêts à entendre toutes sortes de choses, les promesses les plus grandes, quand finalement, comme toujours avec le Seigneur, la vérité est souvent dans ce cas de plus petit, dans ce cas de plus oublié. Une préposition, mais on y passe si rapidement, et pourtant elle en dit long sur notre vie chrétienne. J'espère que vous pourrez réfléchir à ces choses et que vous pourrez commencer à mesurer votre vie chrétienne, votre engagement à la lumière de ces prépositions. Alors, parfois, le bled nous est utile pour essayer de mieux comprendre ce que la parole de Dieu nous dit. Que le Seigneur puisse nous inspirer dans toutes ces choses. Mes frères et sœurs, fondez votre vie en Christ. Laissez-vous motiver par le vouloir et le faire de Jésus. Bâtissez une relation solide avec lui. Appuyez-vous sur lui et agissez par lui. Et je peux vous dire que là, eh bien, vous vivrez des grandes choses. Vous vivrez votre destinée avec le Seigneur. Mon Dieu, dans les livres de la sagesse, les proverbes, Seigneur, tu nous parles de ces petits animaux, la fourmi, le daman, le lézard, et tu nous dis de prendre instruction sur eux, ils ont beaucoup de choses à nous enseigner, c'est vrai. Eh bien, ce soir, nous avons considéré ces petits mots, tout petits mots de la parole de Dieu. Ils sont si petits, parfois tellement insignifiants. Comme le lézard, Seigneur, ils sont là dans nos maisons, ils sont là dans nos bouches à chaque instant. Nous n'y prenons même plus garde. Et pourtant, ils ont tellement à nous enseigner. Bien plus, Seigneur, que
des fois de grandes paroles, de grands messages. Car Seigneur, là, nous avons vu, à travers ces prépositions, ce que doit être notre lien de dépendance avec toi. Et que nous puissions mettre, Seigneur, la bonne préposition, que nous puissions les vivre les unes après les autres, nous enrichir, nous renouveler par rapport à elles. Seigneur, que nous soyons toujours en toi. Seigneur, que nous soyons toujours dans, Seigneur, cette relation intime. Que nous soyons toujours animés des bons sentiments pour ton royaume, pour ton Église, pour nous-mêmes. Que nous soyons toujours attentifs à notre relation avec toi, à nous appuyer sur toi. Et Seigneur, à agir par toi. Puisses-tu encore parler à nos cœurs dans ta grâce. Amen, Seigneur. Amen.